Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve après les vacances. On est lundi 17 juin, il est déjà quasiment 14h. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, pour l'instant du moins, comme je suis en repos aujourd'hui et demain, puisque je travaille ce week-end. Du coup voilà, je continue, je prolonge un petit peu les vacances, je continue à me reposer principalement. Parce que même si après je fais qu'une semaine de 6 jours, on va quand même faire attention à l'énergie, on va pas la griller tout de suite. Je vais quand même bosser un petit peu aujourd'hui, mais ça va être très tranquille, vous allez voir, et demain aussi. Du coup, donc la semaine, comment elle va s'organiser? Donc aujourd'hui et demain, je suis en repos. Mercredi, je fais 9h-14h, et le reste de la fin de semaine, je fais 7h midi. Donc mon contrat est plus ou moins respecté dans le sens où je suis de matin. On oublie le fait que je suis de week-end, mais bon, c'est chaotique, je crois que je vous l'avais dit. On a pas mal de collègues qui ont démissionné, donc forcément c'est encore un peu galère. Donc voilà. Donc ce matin, j'ai monté le vlog des vacances parce que j'ai voulu commencer hier, puis finalement je revais. Et j'ai préparé les visuels pour les réseaux sociaux, pour le planning Twitch et donc pour le post Instagram. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à préparer mon drive de course aussi. Et c'est tout. Déjà le vlog, ça m'a pris un peu de temps, entre guillemets. Donc voilà. Là, je vais... il faut que je finisse de monter le vlog. Bon, soit il me reste plus qu'à mettre l'outro et ce sera good. Et à l'exporter, puis l'importer sur YouTube. Et ensuite, au niveau de ce que je veux faire cet après-midi, donc il faut que je fasse tout ce qui est réseaux sociaux, donc que je mette le planning Twitch, que je mette mon post Instagram, que je finisse mon drive de course, histoire d'être tranquille. Et donc il faut que je relise entièrement les commentaires que j'ai fait sur la mini BL Express que je fais pour mon alpha lecteur pour lui envoyer aujourd'hui, puisque je lui ai dit que je lui envoyais aujourd'hui sans faute. Et éventuellement, selon l'heure qu'il est, je verrai ou pas si je le fais. Et il faudrait que j'avance sur la fiche de lecture du deuxième texte que je dois envoyer avant le 20. Donc je revérifie la date parce que je me suis dit c'est bizarre qu'il tombe jeudi. À voir. Donc voilà, j'ai ça à faire en priorité. Sinon, ça va être repos. Il me reste une petite activité que j'avais pas faite du tout. Bon, soit j'avais pas fini le diamond painting, mais il me reste une activité que j'ai pas du tout faite pendant mes vacances. Autant profiter que je suis encore en repos. Donc techniquement sur des vacances prolongées, si on peut dire ça comme ça. Pour le tester. Donc je pense que je vais me faire ça cet après-midi avec un film, parce que je sais pas pourquoi je me suis tapé la DTR hier de me dire je me refais, alors j'ai pas commencé, si j'ai commencé hier, je me refais tous les Disney, mais en commençant dans l'ordre chronologique. Donc du coup hier j'ai regardé Blanche-Neige et ce matin en montant mon vlog et en prenant mon petit déj, j'ai regardé Pinocchio et je ne sais plus lequel est le prochain, mais voilà. Du coup je pense que je vais sans doute me faire ça en me regardant un film. Et voilà, on va vraiment c'est la coulée douce aujourd'hui pour reprendre un peu plus hard de partir de mercredi. Et de toute façon je travaillerai jeudi, samedi, dimanche, comme du coup des jours normaux. Je préfère faire comme ça. Voilà, c'est tout au niveau du programme. Au niveau des objectifs, donc du coup il faut absolument que je finisse cette petite BL. On soit juste à relire mes commentaires et à lui faire un petit topo. De toute façon c'était une BL de 10 pages, donc c'est pas non plus ce qui va me prendre le plus de temps. Il faut absolument que je finisse du coup cette semaine la fiche de lecture, sachant que j'avais un tout petit peu commencé pendant mes vacances, mais finalement pas tant que ça. Et il faudra que je commence la lecture des prochains textes du coup, parce que j'ai à peu près là un mois pour lire les deux autres. Mais bon, sachant que j'avais lu les deux premiers en du coup 2 semaines, je me sens plutôt sereine, concrètement. Ça devrait le faire. On va pas non plus se reposer sur ses lauriers, mais je pense que ça peut le faire. Voilà. Et ça va être ça, les principaux objectifs. Sinon après, évidemment, ça va être écriture.
D'ailleurs, il faut que je relance mon alpha lecteur, ma bêta lectrice, ma deuxième bêta lectrice sur le tome 1 d'Une couronne de soleil et un baiser de lune, parce que je vous avais dit que j'étais en attente de son retour, parce qu'elle m'avait mis en remis, enfin elle m'avait laissé en remis plutôt quand j'étais à Nîmes, et elle m'a répondu justement le dimanche dernier, pas du coup celui-là, mais celui d'avant, quand j'étais justement à Nîmes. Pour me dire qu'elle pensait me l'avoir envoyé et qu'elle n'était pas chez elle mais qu'elle me l'envoyait quand elle rentrait. Sauf que du coup ça fait bien une bonne semaine que je n'ai enfin que je ne sais pas si elle est rentrée chez elle et si elle a pu me l'envoyer. Enfin s'il y a eu un autre souci d'envoi potentiellement ou si elle a oublié ou si elle n'est pas encore rentrée chez elle, je ne sais pas. Donc il va falloir que je la relance. Mais bon voilà. C'est surtout pour être sûre de ne pas laisser trop traîner le truc parce que je. Enfin voilà, je vais essayer de commencer à planifier ma réécriture petit à petit, mais tranquille ou quoi. On va pas se mettre la pression parce que je préfère continuer à avancer sur les projets aussi. Donc voilà. Et donc évidemment, ouais, écriture sur le tome 2 et sur l'autre projet. Voilà. Niveau des objectifs, grosso modo. Niveau lecture. Niveau lecture, déjà, j'ai fini à Cotard pendant mes vacances. Oui, je suis fière de moi. Oui, je suis fière de moi. Ça y est, j'ai enfin fini cette saga. Il était temps. Il était temps. Et également, hier, du coup, j'ai terminé L'Engrange-temps. J'ai 2 semaines d'avance sur mon planning. En fait. Quand j'ai regardé où j'en étais dans les chapitres, je savais, je crois qu'il fallait. Je crois que cette semaine, je devais m'arrêter. Enfin, on devait arriver d'ici dimanche au chapitre 26, si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, hier, je regarde où j'en suis et j'en suis au chapitre 25 et je me dis, bon bah nickel, je voulais pas me coucher trop tard. Donc, je me dis, au pire, je lis mon quota aujourd'hui et comme ça, je suis tranquille. Sauf qu'en fait c'est impossible quasiment de s'arrêter à ce moment-là parce qu'il y a tout qui se passe en fait. C'est vraiment la fin donc j'ai pas pu m'arrêter et j'ai tout lu. Voilà. Donc ça c'est fait. Du coup en lecture en ce moment, la seule du coup que j'ai en cours c'est... Et ça c'est longtemps que j'avais pas eu qu'une seule lecture en cours, vous vous rendez compte? Depuis combien de temps? Donc du coup, je suis dans la relecture du tome 1 de Forthwind pour me remettre dans l'ambiance pour le tome 2. Donc du coup, ça va être ça ma lecture pour l'instant. J'en suis à la page 109. Voilà. Et bon, du coup, si j'ai que lui, il y a moyen que j'avance vite. Techniquement, la lecture commune sur Iron Flame a déjà commencé avec Charlie. Mais du coup, je préfère, comme je me suis lancée, terminer d'abord ma relecture. Je sais plus jusqu'à quand c'est la lecture commune avec Charlie. Je sais plus si c'est 1 ou 2 mois. Mais je me dis que dans tous les cas, ça peut se faire. S'il y a moyen que je dévore Iron Flame, donc. Ouais, pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Donc voilà, j'ai que cette lecture-là en ce moment. À voir si potentiellement je me mets un livre audio ou pas. Mais pour l'instant, j'ai que celle-là. Ah tiens, niveau recette, je sais pas encore ce que je vais faire et si je vais faire quelque chose. Je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas. Sachant qu'en ce moment, du coup, je crois que je l'ai dit dans un des vlogs, peut-être du coup, le dernier, celui de mes vacances. Je refais attention à la quantité de calories que j'ingère par jour. C'est un peu fastidieux, entre guillemets, quoique maintenant, autant la première fois que je l'avais fait. J'avais un peu de mal, autant là je prends quand même le pli. Alors, avec les vacances c'était pas évident, donc j'ai eu des descentes de poids, des remontées de poids, à peu près toujours dans les mêmes, enfin, dans les mêmes chiffres, hein, je remonte pas trop non plus, mais du coup voilà, comme je compte mes calories, mais je fais quand même, enfin je m'empêche pas de sortir ou quoi que ce soit. Du coup, bah forcément, avec le week-end à Avignon, le repas chez ma soeur, le McDo avec mon neveu, etc., etc., le goûter avec ma copine,
forcément, il y avait des trucs que des fois je mettais pas dans mon compteur de calories, et donc forcément, j'ai repris un peu. Mais du coup, à voir si je me trouve une petite recette un peu légère, surtout peut-être pour l'été, ou alors je me fais une salade de fruits, tiens. Ça peut être une idée. À voir. Je vais réfléchir, je vous dirai. Peut-être que je ferai pas tout le temps des recettes, du coup, ou alors peut-être que j'en ferai. Un coup des recettes qui me font vraiment plaisir, un coup des recettes healthy, on va voir. Et au niveau solo date, du coup, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas que j'ai pas pioché. Oh, ok. Bon, le truc c'est que je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Je sais pas du coup comment je vais m'organiser, parce que c'est vrai que quand j'ai mes repos en début de semaine, c'est plus délicat. Je verrai. Du coup, c'est créer un mur de citations, donc je le voyais bien potentiellement soit au-dessus là, soit derrière là-bas, ou sur le stream ou sur mes vidéos où on voit un petit peu en fait. J'ai la carte qui avait été faite par Nina pour le Channel Fantasy, l'illustration d'Arène et Lara, etc. Donc à voir. Mais du coup, ça peut être sympa. Donc. Soit j'ai la foi de me le faire sur la fin de semaine, genre dimanche peut-être, où ce sera un peu plus light niveau travail peut-être, et je le fais à ce moment-là. Donc, de toute façon, je fais 7h midi, donc voilà. Et qu'en plus, le week-end, j'y vais en voiture. Je vais le remettre dedans. Parce que c'est trop compliqué en termes de transport en commun pour moi, de là où j'habite. Donc du coup, soit j'y fais dimanche, soit j'y fais demain. Ça va dépendre. Parce qu'en soi demain, j'ai un truc de prévu, mais du coup je vais déjeuner en ville avec ma collègue slash amie. Sauf que elle reprend du coup, bah, je pense que ça doit être à 15h. Donc on se donne rendez-vous à 11h30, donc je pense que ça me fera partir d'ici à 11h. Et de toute façon, on va pas non plus trop traîner. Je pense qu'à 15h, 15h30, je serai rentrée. Donc, à voir. Peut-être que je peux me le faire demain. On verra. Ça dépend aussi de comment je mets mon drive de course. Je sais pas si je vais chercher mon drive de course avant d'aller la rejoindre. Ou après. Je sais pas. J'ai l'impression que cette ouverture de vlog est un peu chaotique. Mais aussi, j'ai l'impression d'être rouillée. Puis comment faire, donc m'en voulez pas trop si c'est chaotique. J'espère que j'ai rien oublié. Donc là je vais aller finir le vlog, faire tout ce qui est réseaux sociaux, mon drive et tout, pour après juste chiller. Thank you.
On se retrouve pour un update. On est mercredi 19 juin et il est quasiment 16h30. Je sais plus quand est-ce que je vous ai fait l'ouverture de vlog. Je sais plus. Donc du coup, grosso modo, lundi, j'avais terminé ma mini bêta lecture. De toute façon, il ne me restait plus qu'à relire et à envoyer. Je ne sais plus si j'ai avancé la fiche de lecture lundi. J'ai un doute, je crois pas. J'avais fini le vlog, j'avais mis mon post Insta, etc. Donc nickel. Hier, j'ai pas tant travaillé que ça. C'est pour ça que je vous ai pas fait d'update du coup hier. J'ai été chercher mes courses le matin. Et puis après, du coup, je rejoignais directement ma collègue pour aller manger ensemble le midi. Je l'ai raccompagnée du coup jusqu'au boulot et je suis rentrée entre 15h30 et 16h, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il a fait tellement chaud que j'ai pris le temps de prendre une douche, tout ça. Je me suis un thé glacé. Et donc là, du coup, par contre, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai juste un peu avancé la fiche de lecture et c'est tout. Ouais. Et du coup, j'ai pas fait le solo date pour l'instant, donc je sais pas encore quand est-ce que je vais le caler. J'ai pas fait la recette non plus. Je m'étais dit que peut-être je la ferais hier. Puis finalement, j'ai pas pensé, j'ai pas eu la foi, les deux. Et c'est tout. Ouais. Du coup, aujourd'hui, je faisais 9h-14h. Donc, ce matin, j'ai un peu bossé avant de partir. J'ai préparé déjà pour la lecture du prochain texte des murmures littéraires. J'ai téléchargé ce qu'il fallait télécharger, j'ai préparé mon document, j'ai avancé la fiche de lecture, donc là il me reste plus que en gros une section, un gros paragraphe et la conclusion. Donc ça va me faire finir demain, je pense. Au pire des cas, il me restera vendredi pour relire. Parce que oui, je crois que je vous avais dit, c'était pour le 20 juin, etc. Même sur ma petite feuille, là où je me suis notée du coup les détails pour les fiches, j'avais marqué le 20 juin. Mais je crois que je vous l'ai dit peut-être dans l'ouverture, le 20 juin, ça me paraissait bizarre. Parce que jusqu'à présent, toutes les deadlines tombaient les samedis. Et le 20, du coup, ça tombait un jeudi. Donc je trouvais ça super bizarre. Et non mais c'est moi qui ai mal noté en fait hein, parce que c'est 22 juin, pas 20 juin. Donc j'ai jusqu'à samedi quoi pour finir cette fiche, donc on va être bien, hein, on va être dans les temps. Voilà. Donc j'ai fait ça ce matin. J'ai répondu aussi à un message Instagram pour une demande de prestation. Enfin une demande de renseignement pour l'instant parce que je sais pas encore si on va déboucher sur une demande de prestation. Et voilà, ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai fait avant de partir. Ouais. Et là, du coup, en revenant, donc une fois que j'ai eu manger, parce que quand même, comme je finis à 14h, le temps de rentrer, le temps de manger, voilà. Donc je me suis mise directement sur la lecture du texte 3, du coup. Là, j'ai lu une vingtaine de pages. Donc, on est pas mal. Parce que j'ai calculé ce qu'il me fallait. Enfin, combien de pages il fallait que je lise pour être dans les temps. Comme il me reste à peu près un mois pour lire les deux textes. Et normalement, une vingtaine de pages, ça devrait le faire. Je verrai au pire, j'ajusterai en fonction de l'avancement, de l'évolution, etc. Si je le sens pas ou pas. Ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, je vais pas poster de post Instagram sur le compte correctrice parce que du coup j'ai prévu un peu tous les contenus réseaux sociaux là ce week-end parce que avec mes vacances j'avais rien fait et c'est vrai que même avant mes vacances d'habitude je prévois. Mais là, j'avais pas tant prévu. Et du coup, j'ai mis un peu un truc random. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, bon, faut que je fasse mon visuel. Et là, j'ai dit, ah, j'avais prévu ça. Et j'ai pas eu du tout d'inspiration. C'est pas grave, pas de post correctrice cette semaine.
On reprendra d'aplomb la semaine pro, je pense. Et puis, donc, pas de post Instagram. Là, ce qui me reste dans ma to-do list, j'ai plusieurs options. Parce que de base, je m'étais mis tourner la vidéo de vendredi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je voie pour celle de la semaine pro. Ah, ça se fait bien. Donc, oui, peut-être que je vais essayer de tourner deux vidéos d'un coup. Soit je tourne des vidéos et TikTok, soit je ne fais que écrire. Je vais voir. Peut-être que je vais d'abord essayer d'écrire là avec la. Ouais, on sera déjà, je crois, sur la dernière session chez Charlie. Peut-être que je vais essayer d'écrire. Et au pire, si je vois qu'il me reste de l'énergie, ce que je pense qui est probable, parce que je me sens pas trop mal là, je tournerai quelques trucs éventuellement. Voilà. Donc on est pas mal. Je revérifie quand même, mais je crois que c'était ça ma to-do list. Ouais, c'est ça. Faut que j'aille vérifier. J'ai entendu un bruit bizarre. Je ne sais pas si un chat a fait une bêtise. Mais voilà. Du coup, c'est tout. Donc, pas de recette, pas de solo date pour l'instant. Et niveau lecture, je crois que je vous ai pas dit où j'en étais. Dans Forthwing, je vous dis que je lisais que Forthwing, mais je vous ai pas dit où j'en étais. Mais du coup, j'ai lu. Je ne sais plus si j'ai lu lundi soir, mais c'est sûr que j'ai lu hier soir, et là je suis à la page 187. J'en suis là, j'ai lu tout ça. Donc ça avance quand même pas trop mal. Je sais pas si j'arriverai à finir d'ici la fin de la semaine. Ça me paraît ambitieux. Mais il y a moyen. Il y a moyen, et au pire. Pire, peut-être d'ici la fin de la semaine d'après, peut-être que je l'aurai fini. Mais voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je ne crois pas. Donc je vais aller voir ce qu'a fait mon chat d'abord, et après je vais me mettre à écrire.
on se retrouve pour l'update. On est jeudi 20 juin et il est 19h passé. Ouais, c'est ça, 19h08. Je ne sais plus quand je vous ai fait l'update. Je crois que c'était avant d'écrire. Il me semble. Hier, en fin de journée, du coup, j'ai eu le temps d'écrire 950 mots. Parce que du coup, j'ai fait une session chez Charlie et un sprint. Ça m'a fait faire 950 sur le projet Roman Tessie Dragon. Parce que je me suis dit, comme je suis un peu coincée sur mon tome 2 et que j'avais un chapitre... Enfin, en soi, j'avais un chapitre entamé dans les deux projets. Mais du coup, je me sentais plus de finir d'abord le chapitre de la Roman Tessie Dragon. Donc j'ai écrit sur celui-là. Après j'ai tourné mes deux vidéos, donc cette semaine, celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine. Comme ça je reprends mon rythme d'avance. Et je pensais tourner des TikTok, puis j'ai zappé en fait. Et du coup après je suis allée arroser mon jardin, faire ma vaisselle. J'ai arrosé mon jardin, j'ai fait un peu de désherbage au passage. J'ai fait ma vaisselle. Et puis après, voilà, hein, ça a été l'heure de manger. J'ai lu 2-3 chapitres hier soir, je crois, de Forthwing. Et puis du coup, ce matin, je prenais à 7h, donc pas le temps de travailler avant de partir. Quand je suis rentrée et que j'ai eu terminé de manger... Je me suis mise sur mon montage. J'ai pas fini. On va être quand même bon pour demain parce que j'ai fait une grosse moitié. Il me reste 6 minutes de vidéo à monter. Donc normalement, ça devrait aller. Et puis c'est pas une giga grosse vidéo. Enfin, c'est pas comme les vlogs, ça mettra pas 3 heures à s'exporter et s'importer sur YouTube. Ça devrait aller. Il faut juste que je pense à faire ça en premier lieu demain. Ensuite du coup donc j'ai live, donc première session, j'ai continué et plus ou moins fini ma fiche de lecture numéro 2. Il ne reste plus qu'à la relire demain et au pire à peaufiner, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Puis je voulais pas non plus plomber trop l'autrice, donc voilà. Donc j'ai dit je pense le plus gros, le plus important, ce qui saute le plus aux yeux et ce qui est le plus important à retravailler. Ensuite j'ai lu une vingtaine de pages sur le texte 3, ce qui me fait arriver du coup à une quarantaine de pages déjà. Enfin, déjà j'ai 350 pages à lire sur celui-là, donc bon. Et du coup j'ai eu deux sessions pour écrire et j'ai écrit 919 mots. J'ai eu un peu de mal sur la première session, donc c'est pour ça que, entre guillemets, j'ai fait que ça. 919 mots sur le tome 2. Et j'ai été... Alors, il y aura sans doute des trucs à retravailler, c'est pas parfait, etc. Mais, et aussi le fait que je ne sais pas où je vais, parce que voilà, le premier jet, j'ai l'impression qu'il est déjà quasiment terminé, alors que je suis à peine à 30 000 mots. Mais en dehors de ça, franchement, j'ai été très satisfaite de ce chapitre, sachant que je suis un peu bloquée en ce moment dessus. Parce que, en tout cas, j'attends d'avoir les retours de mon alpha lecteur, mais je suis très contente des scènes que j'ai faites. Alors, il y en a une, je sais qu'il faudra que je rajoute de l'émotion, etc. Mais franchement, j'aime ce chapitre. Je pense qu'il a quand même une bonne base, qu'il y a des trucs sympas dedans à exploiter. Donc, franchement, je suis contente. Et donc là, je viens d'arroser mon jardin, je viens de mettre à chauffer mon riz, et ça va être manger, lecture, et dodo. Concrètement, on est sur la même routine. Voilà. C'est tout. Donc niveau lecture, je vous ai dit. Et je n'ai toujours pas fait sur le date ni de recette. Je pense que ce ne sera pas avant ce week-end. Si je l'ai fait concrètement, je ne suis pas très certaine. Et voilà. Donc c'est tout. Franchement, contente de cette journée. Il y a eu un peu plus de fatigue aujourd'hui, mais bon,
Je suis pas sûre que mon sommeil était tip top cette nuit. En plus, Topaz elle s'est me réveillée à 23h. Ça faisait à peine 1h30 que je dormais et elle m'a réveillée. Donc, des petits trucs comme ça qui m'ont pas aidée. Et puis, bah, c'était mon premier réveil à 5h depuis 2 semaines et demie, 3 semaines. Je sais plus de quand datait mon dernier 7h midi, mais voilà, ça a commencé à remonter un petit peu. Donc, minimum 2 bonnes semaines. Donc, forcément. Ça fait un peu mal. Autant hier, c'est passé tout debout, je me levais à 6h, ça allait à peu près. J'avais même encore plein d'énergie en fin de journée. Autant là, on n'est pas non plus sur une forme olympique. Je suis pas crevée comme je l'étais ces derniers temps, etc. Mais je sais que là, je vais être contente de me poser. Voilà. C'est tout du coup pour cet update. Je vais pas le faire traîner trop longtemps non plus. Je vais aller m'occuper de mon riz.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 23 juin et il est 13h30 passé. Comment s'est passée cette semaine? Eh bien, pour une semaine de reprise, je vais mettre un peu de lumière. Pour une semaine de reprise, elle s'est quand même globalement bien passée. Pour être tout à fait honnête, j'avais un peu peur de reprendre, surtout pour le côté boulot alimentaire. La mèche ne veut pas. parce que donc la dernière fois, avant ces vacances-là, la dernière fois que j'ai eu des vacances, c'était il y a 2 ans dans mon précédent travail. Bon, j'avais eu que 5 jours, donc c'est pas fou. Et quand j'avais repris, c'est là où j'ai commencé à avoir du mal avec ce travail-là. Et bon, après, il y a eu aussi une période où ils m'ont poussé à bout au niveau charge de travail, pas au niveau mental. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, c'est ça qui m'a poussé à accélérer un peu le processus pour commencer ma formation et partir, quoi. Donc, du coup, j'avoue que j'appréhendais le fait de revenir au travail parce que je me suis dit, est-ce que chaque fois que j'ai des vacances, ça va être ça, je vais plus pouvoir supporter mon travail après, etc. Et franchement, alors autant, on change pas qui on est, hein, on ne chasse pas le naturel. J'ai toujours tendance, voilà, à m'agacer quand les personnes avec qui on travaille, pas l'équipe, hein, mais voilà, les gens avec lesquels on doit travailler, font n'importe quoi, etc. J'ai toujours tendance à un petit peu m'agacer quand mes collègues font pas certaines choses et tout. Mais franchement, je me sens pas en mode j'ai du mal à aller au boulot, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais à reculons, etc., etc. Non, franchement, ça va. Ça va, donc c'est ce qui me fait dire que pour l'instant, je suis bien dans ce travail. C'est pas l'idéal, hein, mais franchement, c'est bien. Peut-être que le fait que je sois en temps partiel et peut-être que le fait qu'à côté, j'ai aussi, pour l'instant, pas trop le temps d'entreprise, j'ai pas trop de prestations, mais j'ai le temps pour mes romans, j'ai les murmures littéraires, etc. Donc voilà, j'ai l'autre côté qui fait que, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est parce que ce travail alimentaire me convient à peu près, mais franchement, du coup, ça m'a fait du bien mentalement, parce que j'appréhendais quand même un peu d'y retourner. Mais pas, enfin, par rapport à ça, quoi, du coup. Donc je suis quand même vachement contente, et en plus j'étais contente parce que, bon alors, l'énergie est descendue très très rapidement, mais les premiers jours j'étais hyper énergique, et mercredi j'ai travaillé jusqu'à quasiment 19h, et j'ai même fait, j'ai pas fait grand chose, j'ai dû faire 15-20 minutes de jardinage, mais j'ai fait un peu de jardinage quoi, donc franchement, c'est une bonne reprise. Vendredi pour l'atelier écriture en fin de journée, j'ai eu du mal, j'ai eu de la fatigue. Et là aussi aujourd'hui je suis fatiguée, mais la matinée a été intense au boulot, donc forcément ça joue. Mais franchement je suis hyper contente de cette reprise, ça me rassure beaucoup du coup de voir que mentalement tout va bien, etc. C'est cool. En plus voilà, je pense que ça joue, enfin les... La précédente, enfin, le, dans le précédent travail, les collègues étaient plutôt cool, hein, globalement, là-dessus, j'ai rien à redire, mais c'est vrai que, en fait, rien que mes managers, elles étaient enfin, limite, elles étaient contentes de, enfin, c'est pas limite, elles étaient contentes de me revoir, enfin, voilà, l'accueil était cool aussi, l'accueil de reprise, forcément, ça fait plaisir, c'est des petits trucs où je me dis, bon, peut-être que, avant les vacances et tout, je critiquais, etc. Après, forcément, moi, ce qui me posait souvent problème ces derniers temps, c'était les plannings. Là, comme on est dans la galère, je leur ai fait comprendre que si vous voulez pas que je parte, il fallait qu'ils fassent voilà, des changements. Donc, pour l'instant, je ne travaille que le matin. J'ai failli travailler un soir, mais c'était vraiment parce qu'ils n'avaient pas le choix, et du coup, bah, comme ils ont pu changer, ça a été changé. Donc je vois qu'ils essayent de faire en sorte que... Donc rien que ça, en fait, ça fait aussi plaisir. Du coup aussi, c'est plus facile pour moi de m'organiser, donc ça joue aussi sur le mental, forcément. Donc voilà, franchement, une plutôt bonne reprise quand même.
Niveau murmure littéraire, j'ai terminé et envoyé ma fiche. Je crois que je l'ai envoyée vendredi. J'ai même eu un doute hier. Je me suis fait un coup de flip et un coup de doute parce que. C'est n'importe quoi mes cheveux. Parce que à 19h30, on reçoit un message du principal organisateur, à peu près en gros, sur Discord pour dire dans moins d'une demi-heure, c'est la première deadline et tout. Donc envoyez bien vos textes, enfin vos fiches. Et j'ai bugué, j'étais en mode. Je l'ai envoyé ma fiche ou pas? Oui, je l'avais bien envoyé vendredi, mais j'ai eu. Sur le coup, je me suis fait peur, je me suis dit, mais j'ai oublié de l'envoyer ou. Et donc voilà, donc les deux premières fiches sont rendues, il m'en reste plus que deux. Pour d'ailleurs le troisième texte, du coup, là, hier, je me suis arrêtée, je crois, aux alentours de la page 80, 85, ou même peut-être 90. Peut-être même 90, attendez. J'ai un doute. Ah, je me suis arrêtée à la page 92. Sachant que de toute façon, je travaille aussi aujourd'hui. Donc, je pense lire encore une vingtaine de pages aujourd'hui. Donc, on sera sur 110. On se rapproche du tiers en fait. Donc, pour l'instant, j'avance bien. Il y a des petits défauts, mais il y a aussi des trucs qui sont assez sympas. En fait, ça se lit bien quand même. Même s'il y a des défauts, ça se lit très bien. L'histoire, enfin, l'intrigue en elle-même a l'air pas mal, même si pour l'instant, elle a du mal à démarrer. Donc, franchement, ça va. En tout cas, ça se lit bien. Donc ça, c'est cool. Peut-être que ça se trouve, sur la fin, je le ferai comme le premier texte, et ça se trouve, je vais le faire en binge reading parce que je pourrais plus lâcher à la fin, c'est possible. Parce que même si l'écriture a des petits défauts et les personnages sont peut-être. Le curseur est peut-être un peu trop poussé. Sinon, globalement, quand même, les personnages sont attachants, la plume se lit bien. Donc il y a moyen qu'elle arrive à me faire tout lire à la fin. Globalement, je pense que c'est possible. Si elle se débrouille bien avec la romance, il y a moyen peut-être que ça m'accroche. Mais bon, pour l'instant, je suis quand même sur un bon rythme, donc c'est bien. Niveau écriture, j'ai terminé les deux chapitres que j'avais en cours. Alors, j'ai pas écrit hier et j'ai pas écrit vendredi, parce que vendredi, du coup, il y avait l'atelier d'écriture en fin d'après-midi. Et hier, fallait que je fasse mon ménage et tout. Et une fois que j'ai fait mon ménage et que bah, j'ai bossé mes trucs et tout. J'avais plus la foi d'écrire concrètement. Du coup, bah, j'ai pas écrit ces deux derniers jours. Mais j'ai écrit, bah, du coup, mercredi, jeudi, donc j'ai pas tant écrit que ça. J'ai écrit 919 mots. Ah, ça c'est jeudi. Mais j'ai écrit 950 mots mercredi, 919 jeudi. En soi, j'ai fait bah, sur chacun des deux. Texte du coup parce que mercredi j'ai terminé mon chapitre en cours sur la romance Fantasy Dragon et malgré le semi-blocage un peu que j'ai sur mon tome 2 le manque d'inspiration et tout j'ai terminé mon chapitre en cours sur le tome 2 jeudi et j'ai quelques idées de scènes pour la suite donc je pense que même si l'inspiration n'est pas encore au top sur ce tome 2, même globalement en ce moment, mais c'est peut-être la reprise, j'ai peut-être un peu de mal. Je pense que ça va se faire quand même. Peut-être un rythme plus lent que ce que j'ai l'habitude, mais franchement ça va se faire et je suis déjà contente d'avoir écrit du coup environ 1800 mots, donc c'est pas mal du tout. Et quoi d'autre? Niveau Instagram, j'ai lavé mon post correctrice. Enfin du coup au niveau réseaux sociaux, mais vlog et vidéo sortie, j'ai même tourné ma vidéo d'avance et j'ai posté sur Instagram Autrice lundi et vendredi. Et en plus j'ai eu beaucoup de mal à faire mon post de vendredi parce que j'avais les chats qui arrêtaient pas de demander de l'attention. Le post n'était pas facile au niveau de ce qui, enfin. Il me manquait un peu d'inspiration aussi pour le post, mais finalement je l'ai réussi et j'en suis plutôt contente, je le trouve cool. Donc voilà. Sinon, j'ai fait la recette
Du coup, j'ai fait un blondie au citron et techniquement aussi au chocolat blanc, mais du coup, on le sent pas trop, donc ça va. Et normalement, du coup, c'est un blondie plutôt healthy. Alors, on dirait pas avec le chocolat blanc, parce qu'il y en a quand même. Techniquement, dans la recette, il y en a 180 grammes, mais moi, j'ai dû en mettre un peu moins. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est healthy dans le sens où il y a très peu de farine, il n'y a pas de beurre, c'est parce que ça doit être remplacé par la compote en soi, et il n'y a pas de sucre, à part un sachet de sucre vanillé. Donc franchement, bon, certes, c'est pas le top avec le chocolat blanc, mais voilà, elle n'est pas si calorique que ça. Parce que du coup, sur mon application où je compte les calories, je peux rentrer des recettes, je peux mettre les ingrédients qu'il y a dans la recette, et du coup, voilà, je peux savoir le taux de calories du gâteau. Bon, on n'est pas sur le moins calorique des gâteaux, mais ça va. Par exemple, hier, je sais que j'étais un peu... parce que mon adjointe, hier, quand elle est venue au boulot, elle m'a ramené un pain au chocolat. Donc là, je tombe... ça va coûter cher aux calories. Et donc du coup, j'étais ric-rac en calories hier, techniquement, hier soir. Et j'ai quand même pu me prendre un petit bout de gâteau. Il était pas énorme, mais ça allait niveau calories. Donc franchement, ça va. Ça va, ça va, je suis plutôt contente. Il est plutôt bon. Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié un ingrédient. J'ai mis la moitié moins d'un ingrédient, qui était le citron. C'est pas comme si c'était l'ingrédient principal de la recette. En fait, dans ma tête, j'étais partie sur un seul citron. Et il en fallait deux. Et le pire, c'est que j'en avais deux. Mais j'avais pas vu qu'il en fallait deux, donc j'en ai mis qu'un. Mais on sent quand même le citron. J'avoue que peut-être il serait encore meilleur, il aurait plus de goût avec deux, du coup. Mais franchement, franchement, il est pas mauvais. Il fait assez plat et la texture est pas peut-être la meilleure pour un blondie. Enfin, elle est sympa la texture, mais elle fait... Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est pas la texture du siècle, quoi. Mais franchement, franchement top. Et puis finalement, au niveau ingrédients, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut 60 g de farine, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, 2 citrons et 180 g de chocolat blanc. Et 90 g de compote. Donc c'est pas non plus voilà, la recette la plus difficile. Hein. Franchement, en plus, elle s'est faite hyper rapidement. Donc top. Franchement, top. Et pour finir, non, je vais pas pour finir. niveau solo date, du coup, je l'ai pas fait. Parce qu'en plus, je pensais que j'allais pouvoir trouver un peu des inspirations un peu esthétiques sur Pinterest, mais j'ai rien trouvé. J'étais un peu deg, donc du coup, ça m'a découragée. Bon, je parle de ça, ça m'a découragée. Genre, c'était hier en fin de journée, donc en plus, j'avais ma journée dans les pattes, donc du coup, bah, j'ai abandonné. On verra si j'ai la foi de le faire la semaine prochaine ou si je préfère faire un autre solo date. Et du coup, niveau lecture, j'ai été sage, j'ai rien commencé de nouveau. Et donc, j'ai bien avancé quand même sur Fourth Wing. On est par là. Donc, on est plus ou moins... Enfin, on n'est pas encore tout à fait à la moitié. Parce que du coup, j'ai lu cette partie-là. Pas tout à fait à la moitié, mais franchement, on est quand même bien avancé. Il y a moyen que je réussisse à le terminer la semaine prochaine, en fait. En vrai, je pense qu'il y a moyen. Donc ça veut dire que bientôt, je vais pouvoir commencer Iron Flame. Et ça, ça fait plaisir. En plus, il y a certaines scènes que j'attends vraiment dans ce roman. Et je sens que là, je suis bientôt. Donc à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est bientôt? Est-ce que ça va être dans ce chapitre? Un peu comme les enfants en voiture ou en voyage, on est bientôt arrivé. Ben moi c'est un peu ça, c'est bientôt la scène. Enfin là où les scènes, il y a plusieurs scènes que j'adore dans ce roman, donc... donc et en même temps je me dis, ah oui c'est vrai, il y a ça avant. Ah oui c'est vrai, il se passe ça. Franchement, c'est là qu'on voit que pour les livres, j'ai pas trop de mémoire, mais... Enfin, je me rappelle les événements quand je les lis, mais j'aurais pas su redire dans quel ordre il se passait quoi. Donc franchement, bah, la relecture se passe super bien quoi, j'ai l'impression, enfin, à voir sur les scènes fatidiques, mais pour l'instant, j'ai pas non plus les émotions de première lecture, normal, mais franchement, ça se passe bien, donc nickel.
C'est tout pour cet update. Je crois que je vous ai fait le tour. J'ai pas mal papoté. Donc, je vais aller partir faire le montage, hein, mine de rien. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao!